L'ange numéro 30, Omael. Il régit du 18 au 22 août. Il est l'ange de la multiplication et la collectivité. Il est lié à la matérialisation, le développement de projets et l'expansion sur tous les plans. Il nous aide à transcender nos blocages tels que l'échec, la pauvreté, le succès superficiel ou l'avidité. L'ange Omael nous enseigne que nous pouvons toujours choisir de multiplier le plus ou le moins dans nos vies. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes: multiplication, matérialisation, développement, expansion, production, réalisation, application, planification, patience, sens des responsabilités, rétablit la santé, amène la guérison, touche le corps médical. Fécondité, naissance, touche les femmes enceintes. Épanouissement, joie, antidépresseur vivant. Reconstituant et tonifiant. Patron des règnes végétal et animal. Favorise la plantation et les récoltes. Redécouverte de l'enfant intérieur. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes: succès superficiel, philosophie matérialiste, ambition, avidité, cupidité, est prêt à tout pour gagner, attitude mondaine, stérilité, insuccès, échec répétitif, pauvreté, matérialisation corrompue, manque de planification et d'organisation, impasse, impatience, vivisection, c'est-à-dire dissection sur le vivant, euthanasie, suicide, porteur de mort, génocide, extermination, expérience monstrueuse, fureur dévastatrice, tristesse, dépression, désespoir, mauvaise récolte. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes: abondance, acné, agriculture, blasphème, cancer, culture, dépression, enfant, fertilité, fécondité, grossesse,
gynécologie, herpès, jardinage, kyste, matérialisation, multiplication, peau, plante, utérus. Douce pensée angélique.